precious love and beauty endless worth. Nothing is this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasure on my heart and on my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. We're singing, oh Jesus, oh. Heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Hallelujah. Pour tout Dieu, nous gagnons sous terre. N'attendons, mon Dieu, pour nous voir face à face. Sous ces ciels là pour nous, mon Dieu, où c'est celle de l'eau, où c'est celle sous, mon Dieu, qui pape chambre chéché. Merci Seigneur, merci vous soyez, papa. Alléluia, alléluia. Amen, alléluia. Nous avons fait un petit chita tout petit qui était un porte ouvert, porte ça, dans mon haïtien, à l'ouvert tous les deux portes. A gen rien qu'a fait non atmosphère de porte fermée là, pas gon bagaille secret là.
C'est un service qui est ouvert à tout le monde. Pas de monde qui est rejeté. Tout le monde est bienvenu dans ce service. Je ne peux pas nous aucune excuse. Nous allons rencontrer avec bon Dieu si nous avons mouru demain. Si bon Dieu veut. Pour nous dire oui, je n'ai pas jamais de chance à l'église. Il y a nous qui viennent avec toute qualité excuse, nous connaissons ça excuse là, dit prétexte pour nous parler l'église. Ou pas de rad, pas de bible, pas de passer pas de bon mot libre, pas de ceci, pas de cela. Mais en pile là nous bon Dieu là nous dans prison, il fait nous sortir, il fait nous une fois expérience avec l'église. Il y a un pile dans nous qui gagne porte 20 30 40 50 ans par jambe pile dans l'église. On connaît ça. Il y a un pile dans nous qui connaît l'église qui vient nous ba l'église c'est pas ba et pas nous. On connaît ça. Gen pile nan nou ki te ap fè route la. Nou te commencé route la avec un bib nan men nou. Gon côté nou rive nan mitan route la. Nou réalisé que bib la trop lou pou nou. Nou jete bib la et nou kembe passeport nou nan men nou. Nou même ki gagne 4 crédit nou bien 4 débit nou, nou kembe yo nan men nou. N'a pe Mwen tout bagay sa yo. Bon Dieu ouais tout bagay sa yo tout. Pa pense nou ka bafouye aucun moun ni bon Dieu non plus. Lè n'ap rive, lè ap lage nou ou bien lè nou rive nou présenter tête nou bay officier immigration yo. Yo di nou pou nou kenbe bagay ki gen valeur yo. Encore yo ba nou dernier chance. Nou pa pran Bible. Bible pa important. Et quand il y a nous lagué, il y a pile là nous mettez une application biblique sur téléphone nous, ça n'est pas important. Mais ça me capable dit nous, si nous te prier bon Dieu pour bon Dieu lagué nous en prison pour te faire nous venir aux États-Unis pour nous te capable venir arriver dans un objectif. Bon Dieu, pourquoi finir avec nous si nous voulons? Mais bon Dieu, capable de finir avec nous si nous voulons tout. Parce que nous gagnons pour victoire ça. Nous vivons aux États-Unis, nous sommes à l'église, ça va et pas, nous sommes à l'église. L'aime te besoin, bon Dieu, m'te besoin. Bon Dieu, son bagage, m'te manipule les gens, m'te voulons. L'aime te besoin de l'envasser. M'a besoin de bon Dieu encore. Et moi-même, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous. Parce que moi-même, wall moi, c'est pour me parer l'esprit. Je ne vais pas nous aucun bagage pour faire que nous content. Voilà que moi, c'est un piège lié dans la vie. Je ne vais pas nous vérité. Si je suis capable de dire, nous ne pouvons pas prendre rien. Haïtien, je vais parler avec nous. Nous ne pouvons pas prendre rien. Nous pensons que route nous sommes passés, la misère nous sommes passés là. C'est pas lié pour nous, nous ne pouvons prendre rien. 28 ans aux États-Unis, m'a banou histoire les États-Unis, m'a banou vie les États-Unis, m'a aidé nous comprendre les circonstances aux États-Unis. Si même Jean va à Isaïe, ah nous est arrivé, on a m'a dit bon Dieu encore mon cher, parce que t'as pédé par l'empile là. On m'a le côté m'bralia. Pour un bagage moi dis nous pas gon côté aux États-Unis. En dehors de mentalité avec mythe qui gagne en Haïti, qui gagne un côté ou absoucré pied bois ici, pour les bagages, nous déjà, ouais, pas gagne vrai. Si Dieu nous peut ouvrir, nous, ouais, pas gagne vrai, n'a pas tête nous menti. Deuxième bagage là, qui vérité encore, c'est que les États-Unis sont pays qui béni vrai. Sont pays qui béni. Et bénédiction pays ça, c'est pas moun ki nan pays ça 350 millions moun sa yo
qui l'a la dani, qui a recevoir aide d'État, qui recevoir timoune dans l'État chaque mois. C'est pas ça qui fait pays ça avancer. Et son l'autre mentalité nous gagne en tête nous. En pile nous parler avec nous, nous parer pour nous prendre aide d'État. Si c'est ça qui est dans tête nous pour nous venir aux États-Unis, puis nous ne pas jamais quitter Haïti, puis nous terrer Haïti pour nous quitter le gouvernement là-bas aider nous. Parce que moi dis nous encore, ça que fait les États-Unis avancer dans niveau ça, c'est pas aide l'État qu'il bail mounyo, mais mounyo yo même, yo travaille. Gagne travail dur, gagne qui travaille intelligemment. Et yo tout yo avancer, c'est ça qui fait ici avancer. Et si nous venons ici, c'est aide l'État qui est important pour nous, nous déjà pour une malédiction dans la vie. Dis-nous ça. Nous sommes capables de dire fab m'a ba nous, prendre comme fab. Welcome to Walk by Faith International Missionary Church. Come as you are, but don't stay that way. This is the slogan of the church. We know every single one of us is somewhere in our lives. Some of us clinging to the heart of God for our hearts to be just like His. Some of us struggling to get there. Some of us not even there yet. But you are welcome into serving Him. Welcome into worshiping Him. Welcome just as you are. There is nothing greater than serving God. And don't let your mind, don't let yourselves discouraging you saying that, oh, I am not in any shape and form to serve God. Wherever you are in your life today, you are welcome to serve God. Not welcome by me, by men, but you are welcome by Him to serve Him. If it was for men, none of us would be serving God. If it was for men, every single one of us, I look at you, I see something bad in you. You look at me, you see something bad in me. And that stay right there, just to criticize, just for me to criticize you, or just for you to criticize me. But God sees everything. He sees the face that you give. He sees your life. He sees your heart. He sees everything. But He is the only one not criticizing you, but He is the one that can fix that. No man can fix your problem. You cannot fix your own problem. Only God can. Bienvenue à l'église missionnaire internationale Marché par la foi. Vini jon yé a parité comme ça. Quitte bon Dieu transformé. En pile nan nous, aller l'église, nous étions même gens. Nous étions bouche nous a dit même parole yo. L'esprit nous a pensé avec même bagaille là. Cœur nous pas jamais transformé. Je dis à là, c'est un moment côté bon Dieu capable de transformer yo. Chaque grain nan nous qui passe dans l'église ça, quitte nous vle li, quitte nous pas vle li, nous fait partie ministère l'église ça. C'est l'église missionnaire. Et chaque temps m'a montré, chaque ça m'a montré nous, parce que bon Dieu bon moyen pour montrer nous, c'est que nous-mêmes nous capables de faire tout. Il y a un pile dans nous haïtiens qui là qui aider une l'autre. Nous devons continuer à aider une l'autre. Et son bon esprit lié, esprit aider une l'autre là. Today we are in the 24th day of April 2022. And then we are going to have the word of God in the book of Acts, the 12th chapter from verse 1 through verse 5. This is a multilingual service. Everyone here will, in your language, in your diet idiom, you will be able to hear the word of God and you will be able to participate in this service. We'll find out today. The Gospel of Acts will be talking to us about how the persecution continued
against the first church. We're going to have two segments of praise and worship, and we're going to have the word of God in the book of Acts. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before him singing with joy. This verse already says it all. You come, you put your burdens, your problems, everything aside so that you can worship the Lord. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Ça, c'est pour bagarre nous juste lino. Mais son réalité liée dans la vie nous pendant la passé petit temps ça là. Nous pas ta doué à kagou pendant service, la fête pendant tout le monde a chanté nous-mêmes kagou apprend nous. Esprit kagou apprend nous, voilà que nous dit ah. Si c'était barricade crew qui t'a là m'a levé m'a tout le monde a ouais. Même mon gens timide. Ouais ouais mon a regardé moi cap chanter cap danser ma nan bay ça. Hey, son l'autre test ou il devant bon Dieu pour tester qui est souillé tout bon vrai parce que gè des monde qui gagne qui t'a remé lever mais on l'ai. Pour y a pas adorer bon Dieu. Il pas gagne mais. Gè des monde qui t'a remé camper pour y a pas adorer bon Dieu, sentir qui t'a cassé. Il pas qu'à faire ça. Nous même puis gars les nous rivé sous cabane l'hôpital pour se laisser ça n'a fait macaque pour se laisser ça nous voulait adorer les nous sous cabane l'hôpital là voilà que nous était là nous qui était honté en parer nous honté prendre nous là la avec nous pas qu'à faire ça. Acknowledge that the Lord is God, he made us and we are his people and the sheep of his pasture. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Enter his gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his holy name. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son saint nom. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and his faithfulness continues to each generation. Amen, amen, and amen. Car l'Éternel est bon, et sa fidélité de génération en génération. Bon Dieu a été fidèle avec nous depuis qu'on y a jusqu'à ce que nous mourions. Nous-mêmes, nous devons rester fidèles avec elle. Avant le service là commencer, m'a dit nous, famille, nous devons gagner le contrôle de Timoun. Timoun n'a pas de wash, non? Timoun n'a pas de faire des fébris pour lui faire des fébris comme si son wash lié. Il sait un Timoun qui gagne habilité pour comprendre. Les nous disent non, c'est non. À l'âge, ça y est. Si nous n'avons pas de Timoun, non, c'est non. Eh bien, les commencer dans 14, 15, 16 ans, 17, 18 ans, nous n'en voulons. À l'âge ça aux États-Unis, si nous pas qu'à dire Timounio, non, c'est non, et spécialement si Timounio pas qu'à connaître les dans l'église, pour y arrêter, pour y connaître dans l'église, nous n'avons pas de problème. Celle Timoun de cap a accepté, a crié là, c'est petit petit qui gagne quoi, presque 7 jours, right? 7 ou bien 8 jours. C'est lui-même. Après ça, tout l'autre petit monde qui gagne l'âge de compréhension, un an plus. Quand on petit monde qui est l'église, regardez Jean-Pierre Lanlé. Et l'a mis ton papa là avec maman. Kounya nous tous pensons que nous poula et nous y là, nous tous à parler. Nous yon pas gagné esprit de respect. Et nous dit ça que fait nous maudire.
Babe se connaît ça n'a parlé. Si nous besoin micro, nous besoin parler, vinn devant vinn parler. Moi m'pa pasteur yo k'ap di nous, nous pa ka vinn monter. Si nous besoin parler, m'a fait nous vinn là vinn parler. Prend contrôle ti moun nou yo. Si nous pas ka prend contrôle ti moun nou yo depuis longtemps n'a prend honte, ça va rien pour nous. Côté nous pral aller n'a continuer prend honte plus toujours. Parce qu'il a regardé. L'on a fait un des autres. D'après nous, qui est-ce qui a regardé? Si vous avez regardé? Ah, ok. Que bon Dieu bénisse chaque grain. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, una vez más, porque estamos aquí esta tarde, Señor, ante tu presencia. Estamos con un corazón agradecido, mi Dios, porque nos das la vida. Porque tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Y nos mantienes cada día, Señor. Gracias por el bien que nos das cada día, Señor, y por cada situación tú nos das la victoria, Padre Santo. Señor, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos. Bienvenidos. Vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él es el único que se merece la honra y la gloria. Así que te damos gloria, Señor. Y si usted puede, ayúdeme a cantarle al Señor. ¡Cuán hermoso! Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Ayúdeme. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Me rescató un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso, dígaselo. Eres Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó. Me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Cántele. ¿A quién? Gloria a Dios. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre, la que me salvó. Me rescató un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cántele, cántele, dígale. ¿A
A ti Jesús, te doy gloria, gloria. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. A ti sea la honra, la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Te adoramos, mi Dios. Gracias, porque tú eres bueno, mi Dios. Aleluya. Louange à toi, Seigneur. Dieu trois fois saint, Papa, nous qui es au ciel, Jésus, nous approchons devant toi, Seigneur. Nous merci, Seigneur. Nous prions, oui, nous besoin Jésus, nous besoin. Alléluia. Besoin Jésus, c'est ça que moi connais. Non point ami qu'on lit la tristesse. Besoin Jésus. C'est ça que moi admets, les autres capotes fadoyent, même besoin Jésus, besoin le grand vent soufflé, chaque moment sous route c'est là. Besoin Jésus, yon sami kan li même, yon sami kan li même. Pour guider nous les fenois, Moi besoin jusqu'la fin. Péché yo pa gen yon lot vrai ami.
l'autre frère, amis. Besoin Jésus. Besoin Jésus. L'autre chose pas capable suffit. L'autre chose pas capable suffit. Li plein l'amour, li fort, li vrai. Oui, besoin Jésus, Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Kounyeya. Besoin le soleil éclairé. Besoin le grand vent soufflé. Chaque moment sous là. Besoin Jésus. Besoin Jésus. C'est ça que me connaître. Non point son micolie l'aime notre tristesse. Besoin Jésus. C'est ça que moi admets. Les autres capotes et fardeaux. Même besoin Jésus, Jésus. Besoin Jésus. Oui, nous besoin de Kounyeya. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin le soleil éclairé. Besoin le grand vent soufflé. Chaque moment sous là. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Yon s'en mi con li même. Yon s'en mi guidez les fins noirs vins sous chemin. Les fins noirs vins sous chemin. Besoin Jésus, l'aller bim dans moi. Besoin Jésus, l'aller bim dans moi. Moi-même tout seul, ta faille est notre besoin. Levez mes on dit ça, besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Besoin Jésus. Kounyeya. Besoin le soleil éclairé. Besoin le grand vent soufflé. Moi besoin toute la fin. Péché yo pas gagnon l'autre vrai ami. Besoin Jésus. L'autre yo pas qu'a suffit. Li plein l'amour, li fort, li vrai. Oui, oui, besoin Jésus. Besoin Jésus. Alléluia. Besoin Jésus. Kounyeya. Besoin le soleil éclairé. Alléluia, oui, oui.
Nous besoin Jésus jusqu'à la fin. Péché, Lord, vrais amis, puis bon ami que nous gagnons, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Louange pour Seigneur. Alléluia. Glory to God. Only you, Lord, deserve all the praise, you deserve all glory. Hallelujah. We glorify your name, Father God. We give you all praise, all honor. We give all to you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. Avec bon cœur la donne, bon Dieu. Purifiez-nous, lavez-nous, fais-nous propre, Seigneur. Assistez-nous dans mon moment, ça, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Bring my heart for you.
Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous levons bien haut. Nous glorifions, mon Dieu. Nous magnifions, papa. Parce que l'orange n'est pas pour nous lier, mon Dieu. L'orange n'est oui, oui, c'est pour nous lier. C'est pour nous lier, mon Dieu, parce qu'il est digne de gloire. Au digne de l'orange, mon Dieu. Au digne d'adoration. Nous glorifions, Seigneur. Nous le venons bien haut. Parce que c'est bon Dieu. Oui, oui, c'est bon Dieu qui a régné pour tout le temps. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloria a Dios. Qué bonito dice la palabra de Dios, que Dios habita en medio de la alabanza. Y por eso, todos venimos a alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a seguir una alabanza más que dice Dios está aquí, porque creemos que Dios está aquí. Amén. Aleluya. Cantemos esta alabanza. Gracias te doy, Señor. Dios. Dios está aquí. Amén, amén. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le puede sentir a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres le puedes sentir. Siéntelo, siente a nuestro Dios. Él está en nuestro corazón, en nuestro interior, es lo que nos dice la Biblia. Él mora en nosotros. Si tú quieres, puedes sentirlo. Gloria a Dios. Tú eres santo, Señor. Santo. Mi corazón te adora. Mi corazón que sabe decir. Santo eres tú. Le puedes sentir a tu lado en este instante. Le puedes sentir muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres le puedes sentir. Dios está aquí. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Él nos escucha, hermanos. Así que tu petición solamente habla con él y él te escucha. Gloria a Dios. Hallelujah, glory to God, glory to you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, bon Dieu.
Alléluia. Pas qu'un temps que le Seigneur soit pareil. Open the eyes to my heart. Alléluia. Ouvre que nous bien grand, mon Dieu, pour nous capables de recevoir. Recevoir l'adoration, nous, recevoir l'orange, nous, Seigneur. Alléluia. Chantez sainteté, bon Dieu, bali gloire. Honneur que lui-même seul méritait. C'est lui-même qui méritait toute gloire. C'est lui-même qui méritait toute l'orange. Chantez sainteté, adorez, bon Dieu, adorez, l'adorez, l'adorez, l'adorez. Chantez sainteté, chantez sainteté. Chante sainteté, moi vle pour moi. Chante sainteté, chante sainteté, chante sainteté, moi vle pour moi. Hallelujah, merci Seigneur. C'est belle bagaille pour nous chanter sainteté, bon Dieu, parce que bon Dieu est saint. Il mérite gloire, il mérite exaltation, il mérite l'orange. Balancez main, ou balancez main, ou la côté où il est. On nous crie, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, pas qu'un temps coup Seigneur, pas qu'un temps coup Seigneur, ou sans pareil Seigneur, alléluia, glory to God, glory to God, glory to God, alléluia, there is none like you God, alléluia, thank you Jesus, thank you to you God. Glory to you, glory to you, Father God. Hallelujah. Thank you, Lord.
Amen. No matter cheetah, you may be seated. Two songs that we just worshiped the Lord with. The first one, Just Está Aquí. Just Está Aquí. Qui est-ce qui pas pensé que bon Dieu là? Dans le moment ça. Just Está Aquí. God is here. We all think that God is here. We all believe that God is here. We all know that God is here. God is here because he removes any spirit of the devil. He brings his glory upon our lives. He brings himself upon our lives. It's a good thing that we know that we can give God glory. We can let him be the God of our lives. We can let him be the Lord of our lives. We not only needing a Savior, but also in this life, we need Jesus Christ to be Lord. Not our family, not our money, not our position in this society, not our education, but we need God, we need the Lord Jesus Christ, for him to be the Lord of our life. Not Joe Biden, not Donald Trump, not a party, a political party, but the Lord Jesus Christ is the Lord of our lives. Let him be. And the other one is for, the other song is about open the eyes of my heart, Lord. And many of us, our hearts are closed. Our hearts are completely burdened with things happening in this world. Our hearts not, it's blind. Our hearts so blind, we cannot be good steward of any blessing that God gives us. So that's why we're asking God to open the eyes of our hearts. Many people don't even think that our hearts need to be able to see. Our hearts need to be able to witness. Our hearts need to be able to proclaim the glory of God. Open it, God, every day. Open the eyes of our hearts. Chante a dit, open the eyes of our hearts. Demandez bon Dieu pour bon Dieu, ouvrez les yeux qui gagnent dans le cœur nous. Nous connaissons le cœur nous te gagne bon Dieu là-dedans. Ou bien, le cœur nous te gagne les yeux là-dedans. C'est ça qui fait un pile monde qui n'y a là, le cœur nous ferme. Le cœur nous pas aucun yeux pour nous voir, c'est maltraiter, y a maltraiter frère avec soeur. Le cœur nous aveugle. Moun kap dirige Haïti, cœur yo aveugle. Cœur yo pa gen yeux pour yo wè tout péripéti, yo forcé nous-mêmes nous fait. Cœur yo aveugle. Mande bon Dieu pour bon Dieu ouvrir cœur pa nous et pour bon Dieu ouvrir cœur pa yo tout. Amen. Now we come to the point where we're gonna share a word of encouragement with you. This is the halfway service, halfway point of the service. We have the first portion of the praise and worship, and we're going to have the second portion after we get the word of encouragement, after we welcome one another. And then we're going to get to the second portion, and after that we're going to get the word of God, and after the word of God we're going to have fellowship with one another in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Anniversaries, birthdays, special events,
other activities, reminders, special prayers. And this is a segment we talk about it. If I forget anything, you can let me know. You can let me know right there. Segment ça, c'est segment côté nous pour aller recevoir une lotte. Nous pour partager un mot encouragement avec une lotte. Et côté Kounia là tout, nous va parler de fête mariage, fête de naissance, bagay spécial, activité spéciale qu'a fête. Bah, pour nous songer avec prière et spécial. Si nous gagnons bah, ça, yo, si nous oublions, nous mettons dans le segment côté nous yekounia là. So on the 18th of April, my wife and I, we celebrated 28 years of marriage. And it all happened by the grace of God. And that same day, 18th April 2022, Jessica celebrated her 19th birthday. We praise the Lord for that. No special event we had going on, no special activities going on. Any special prayers? We've been praying for the Ruiz family. And we've been praying for God to bring peace into this family's heart after losing the teenage son. I got teenage kids. You know, as humans, there's nothing you can receive with open arms. It's painful. If I stand before you, I say that, oh, I'm a pastor, I'm not well. It's painful. When a parents, families lose loved ones, especially children, especially little ones, especially teenagers. So we've been praying. I ask you to pray for this family. Ruiz, R-U-I-Z, family. Ruiz, right? R-U-I-Z. How do you say it? How about in English? Ruiz. Ruiz family. Pray for that family. They need your prayers for God to bring peace now into that family's life. Any other prayer request? Yes? Salvation for Nathan and Lorenzo. Amen. Can you write those down? Salvation for Cicedelia's sons. And she gave the names Nathan, Lorenzo, and the wives of Lorenzo. Any other prayer request? Okay, yes, amen. Specifically for his cousin and his wife, who currently incarcerated. And to talk about this, we pray for the migrants population here in El Paso, in jail or in detention. We pray for thousands of them who are currently here in jail. Yes? For the mother of Dwayne. And what's her name? Katie. She's having surgery. Any other prayer request? Okay, Kounia, nous vivons dans un segment côté nous a parlé de ça. Semaine passée, le 18 avril, moi-même avec madame, moi, nous avons célébré 28e anniversaire de mariage. Nous disons bon Dieu merci pour ça. C'est pas. L'honneur de nous célébrer. 28 ans, c'est. Et pas quitter mon abdou, tout bagage, sans problème.
qui mariage qui dehors qui sans problème si vous dites ça et mentir ba de tout mariage gagné son bataille lié mon pas doué perdre bataille là sous perdre bataille là c'est là gain c'est là ça gain problème et même jour à tout 18 avril là c'était fête de naissance Jessica les nous croisavel nous ca toujours dit bonne fête. Et m'pa kwen nou gen aucun bagay spécial pour nous parler, aucun bagay pour nous songer, mais n'a prié pour frère là qui gen cousin li avec madame cousin li qui dans prison kounia et n'a prié tout pour tout monde qui dans prison kounia. Dans moment ça, tout monde qui dans prison dans moment n'a parlé là. En tant que même pas fab m'a ba nous c'est expérience pa nous. Nous connaissons comment prison on va connait qui l'est la journée qui l'est la nuit chaque seconde nous monde fait dans prison en plus c'est un effet qui fait sous mental moun nan émotion moun nan prier bon Dieu pour moun sa qui en dans prison pas perdre tête yo nous ouais gagné deux moun jusqu'à présent qui passaient là youn t'ai perdu tête linette et youn l'autre qui moitié à 50-50 pour le perdre tête. On a prié bon Dieu pour nous-mêmes tout. Quoi Richard t'a dit, nous tous nous avons un petit problème pour nous calmer nous, pour bon Dieu est capable de faire nous transitionner sans problème. Qu'on y a nous en l'est là. Non l'est là. Dans la vie nous en l'est là. Qui nous dit vrai, qui nous dit pas vrai, nous connaît nous en l'est. Mais bien que nous t'a dû là, nous en l'est là. M'a prié bon Dieu pour bon Dieu graduellement descendre nous là. Nous pas besoin pour nous descendre là. Gen haïtienne qui passait là qui mourit dans 2-3 semaines là rivé côté là. Gen haïtien qui mourit l'elle fin descendre avion Atlanta. Sorti là Atlanta pour l'Italie West Palm Beach. Il mourit. Nous devons calmer nous. Nous devons prendre un petit souffle. OK? Alors, nous avions tout ou en l'ennet pour nous calmer. Pas faire vieille discussion pour grand messie avec aucun monde. Calmez-nous, qu'embe qu'on nous droite pour nous. Parce que nous tous là, si nous regardons dans le papier, nous avons dit nous faisons attention. Nous tous qui là. Nous tous qui là, nous prenons attention, nous attention nous. Et son bagage que le monde comprend, qui est accepté, c'est vrai parce que. Et c'est monter n'a monter. Et quand nous penser nous arriver là, on prier bon Dieu pour nous arriver là. Pour nous pas monter toujours les nous aux États-Unis. Nous n'a perdu bataille là. OK, que bon Dieu bénisse chaque grain dans nous. Quand on va partager un mot encouragement biblique avec nous et pas un encouragement qui saute dans bouche moi, mais un encouragement biblique avec nous. Il dans Proverbe 28 verset 13. Et c'est frère José qui sélectionné verset ça pour nous pour le partager avec nous tout qui là. La Bible dit moun ka caché péché pa jam wè zafè yo mache. Moun ki a fè ki ça? Moun ka caché péché yo. M'pa besoin expliquer nous. Ouais m'pa ou pas besoin prêcher ça. Moun ka caché péché yo ça y a privé ça ka privé fè yo va jamais rien marcher nous pas bien caché péché nous la bible tout dit ça là ouais en pile nous moi parler avec nous dans série de bagaille péché qui t'est arrivé dans la vie moi en nous même nous prendre ben nous voulez pasteur qui dans toute bagaille ça qui t'est arrivé dans la vie nous mais qui ça arrivé ouais péché ou faire dans la vie ça à côté d'après même yo aller. Son valise ou apote ou kapote péché yo avec ou mais yo toujours dans jacou tout pas gon péché ou fait sous terre ça qui juste aller dans l'air là c'est un palmarès lié gè des péchés que bon Dieu gè t'en pardonné ou parce que gè t'al devant li effacé yo mais c'est liste péché lié oui gè une série de péchés gè adultère pardonné voler l'argent moun ou pas gagner bon côté li bay menti pas gagner bon côté li a fait fou pas gagner bon côté li ou de gon dans liste péché yo qui toujours là yo doit tout gagner doit gagner mot qui ça de bon côté yo
pardonner. Et comment pour pardonner? Allez dans 1 Jean 1 verset 9 là. Ça c'est moi ba nous référence ça. Ba mais ba référence nous. Mais ça aide nous 1 Jean 1 verset 9 n'a l'a aider nous que nous pas doué cacher péché nous. Les n'a la donne n'a pas nous pas besoin cacher péché nous. Parce que gagne un bon Dieu qui là pour pardonner nous. Mais ça la Bible dit après le fin dit pour partir, il dit mais regardez mais nous elle mais bon Dieu va gagner pitié pour qui est ce monde? Pour monde qui reconnaît péché. Qu'on y a là nous devons venir devant bon Dieu humblement. Humblement prosterner devant bon Dieu. Devant bon Dieu venir devant humblement avec péché nous. Premièrement pour lui capable gagner pitié pour nous. Pas peur de prier bon Dieu gagne pitié pour mes grands. Sans que ça a pas fait. OK? Que bon Dieu bénisse chacun de nous. Today we share with you Proverbs 28 verse 13 as a word of encouragement. Brother Jose selected this verse as a word share with you for encouraging you today. The Bible says people who conceal their sins will not people who conceal their sins will not prosper, but if they confess and turn from them, they will receive mercy. And many of you probably praying every day, asking God for mercy. And the Bible just gives you a hint of how to receive mercy from God. It's very simple, right? Very simple word of encouragement for you to receive the blessings of God in your life. Many things that you probably been asking God for a long time. And you may be, God, it's something simple. Why don't you do that for me, God? I don't think it's a big thing, God. But I'm here today to remind you, this probably the reason why your prayer has not been fulfilled yet, even though you see it's something simple. Because you are to come before God. You are to go before Him humbly, with all humility. And God will be merciful. I share also 1 John, the first chapter, verse 9, with you as a verse of reference. I don't do that many times because I believe that one verse is enough. But 1 John 1 verse 9 will be able to assist you to see clearer in what the Proverbs talk about. May the Lord bless you greatly. Amen. Gloria a Dios. ¿Alguna vez nos hemos preguntado en la vida por qué no prosperamos? ¿Por qué de repente trabajamos y todas las personas trabajan muy duro, muy fuerte? Y algunas personas dicen, no me alcanza lo que gano, parece que me dan mi dinero y se me va, se me esfuma, no me rinde para nada. Aquí este versículo que tenemos el día de hoy se encuentra en Proverbios 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el versículo es bien claro, nos está diciendo claramente que si cubrimos nuestro pecado no va a haber prosperidad. Entonces es para que meditemos en nuestra vida. ¿Estamos escondiendo algún pecado? ¿No lo hemos confesado ante el Señor? ¿No nos hemos arrepentido de eso? Hay que analizar nuestra vida para que así, como dice su palabra, alcancemos misericordia y las cosas van a cambiar. Muchas veces, cuando no conocemos del Señor, pecamos y seguimos pecando, ¿verdad? Y el que diga que no tiene pecado, dice la Biblia que es mentiroso. Todos pecamos, pero cuando no conocemos del Señor, cometemos un pecado y otro y otro y se van acumulando los pecados
y eso nos trae consecuencias, ¿no? Ahora en el camino del Señor, como le digo, no quiere decir que nadie peca, pero si pecamos el día de hoy, Dios nuestro Señor que está en nosotros nos hace sentir que hicimos mal en el momento y viene un arrepentimiento a comparación cuando no conocemos de Dios. Ahora cuando nosotros pecamos, nos viene un arrepentimiento y confesamos, Señor, perdóname porque esto que hice está mal, perdóname. Y en el momento lo confesamos, no dejamos que se acumulen los pecados. Sí, y entonces es bien importante, el que encubre sus pecados no será prosperado, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay que confesar los pecados y hay que apartarnos del pecado. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Aleluya. Now it's a time that we're going to welcome one another. The way that we're going to do that, we're going to wear our mask. We're going to wear our mask. We're going to sanitize hands. There should be some of them in the sanctuary. If not, if you don't have something to sanitize your hands, let us know. And we're going to get off our seats. And we're going to welcome one another in the mighty name of the Lord. Kounya nou rive nan moment kote ke nou prale embrase, recevoir yon lot, kelke swa jan fèl la. Men pou nou fè sa, nan mete mas nou nan figi nou. Deuxièmement, nan netwaye men nou. Et troisièmement, nan leve sot nan chèz nou. Et puis tout, di yon lot, bienvenue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on nous fait ça, Kounia. Thank you.
Amen, amen. Now we're going to learn about the service of offering. We always encourage you to be cheerful givers. I'll be asking Jonas to assist us with collecting the offering. Two verses that I will share with you for this. It's Malachi 3 verse 8 and 2 Corinthians 9 verse 7. In Malachi, the Bible instituted the offering. And in the New Testament, in 2 Corinthians 9 verse 7, the Bible explains us how to, with which heart to do it. In the Old Testament, we read, in Malachi 3 verse 8, we read, "Should people cheat God? Yet you have cheated me. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me of the tithes and offering due to me." Interaction between God and his people in this verse. And in the New Testament, the Bible says in 2 Corinthians 9 verse 7, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." If you choose to partake in this service today, let it be a service where you're going to show the love of God in doing so. Not under compulsion or reluctantly. Just do it as cheerful givers in the mighty name of the Lord. Nous apprécions un enseignement qu'on y a là de service offrandant dans service n'a fait qu'on y a là. Il y a deux versets bibliques que nous allons partager avec nous. L'un dans Malachi 3, verset 8, avec 2 Corinthiens 9, verset 7. Dans le livre Malachi, la Bible montre nous côté bagay offrande ça a commencé. Dans le livre Malachi, faut faire enseignement ça. Il va passer pour nous pas recevoir avant nous quitter côté ça. Même les timoun Satan utilise timoun yo pour yo perturber ça m'a dit. Deux bagailles dans Malachi 3 verset 8, c'est là Ancien Testament mettez service ça sous prix, mettez que nous doué faire offrande dans l'église. Offrande dans toute bagaille, l'église ou bien dans un ministère quelconque. Et dans 2 Corinthiens, la Bible montre nous comment, avec qui cœur que nous devons faire. Ok, qu'il y a enseignement que nous-mêmes nous recevons enseignement côté de montrer nous pour nous faire là. Et c'est ça que fait un pile pasteur, un pile faux prophète, un pile charlatan, un pile nèg qui a besoin d'argent dans poche nous, il fait nous paix avec ça, il dit dans Malachia. Mais ça le dit, moi-même, m'a demandé nous, est-ce que y a un monde qui a trompé bon Dieu? Qui est-ce qui a parlé là? Bon Dieu qui a parlé, right? Non. Mais c'est trompé, n'a trompé qui est-ce? N'a trompé bon Dieu, c'est ça bon Dieu dit là. N'a demandé qui Jean n'a trompé là? M'a répondu nous. Dans la question, la dîme avec l'autre bagaille nous fait pour nous offrir mieux. La dîme avec l'autre bagaille nous fait pour nous offrir mieux. Ça, c'est une conversation entre bon Dieu avec peuple dans l'Ancien Testament. Quand il là, en pile pasteur volé de Yoa, il a utilisé verset ça pour nous chalet. Parce que nous avons une mentalité de nous chalet. Et quand il y a là, on a commencé à utiliser la Bible pour le chalet. Et c'est ça qui fait, c'est là que nous recevons ça. Et c'est ça qui fait, il y a un pile dans nous pendant la route là. Nous sommes quoi, là nous arrivons devant quoi? Un pile dans nous, là, il y a quoi ça? Je ne sais pas qui est ici, là, nous dit un pile dans nous, là, il y a quoi ça? Et nous devons aller devant bon Dieu pour demander bon Dieu pardon pour ça.
En pile là nous passer devant quoi ça, nous jeter l'argent là. So what we're talking about here is that during their journey, those 10 countries they travel to come to the United States from either Brazil or Chile, there is a place in between where they have to, in quotation mark, where they have to do ceremonial. And the ceremonial is about, there's a big cross, and there is where they can put money. And many Haitians in their heart, when they give, when they put money, they think that they just buy God. It's a God I can give money to buy, put it in my pocket. That's what many mentality in Haiti. But he says that no, we didn't put money there. We take money that we find there. And nothing gonna happen to you. Sou pren l'argent rien pa privo. Gen des moun ki di ou ap modi ou ap se sou ap se la non. Ya. Tout bay sa yo pran. Dans l'Ancien Testament, vrai, conseil des sacrifices. Tendez bien, oui? Tendez bien, ça m'a dit nous. Nous pas en bas sacrifice encore. Parce que qui est-ce qui te fait plus gros sacrifice là? Les Jésus-Christ viennent faire tout gros sacrifice. Li fait by la vie là avec retraite. Nous pas besoin de faire aucun sacrifice encore. Bon, pas d'ab bien bête qui t'a prêté sous la terre encore si nous t'a continué à tuer bête, à foncer des sacrifices bamboche. Nous n'avons pas besoin de faire ça encore. Quand nous avons un pile là, nous avons même esprit vaudou dans nous-mêmes, parce que le sacrifice est fait dans le lieu ça, nous ne pouvons pas prendre un cobla. Si nous prenons un cobla, nous prenons un cobla comme si vous voulez lier. Bon, mais je parle dans l'esprit cobla. Cobla n'a pas grand rien la fait sous nous. Pas aucun effet sous nous. Hein? C'est ça. Même quand on entend ça, on ne peut pas aller. Mais ça la Bible dit nous pour nous faire. Mais comment pour nous faire service offrande ça? Et dans chaque sang l'église qui est en Haïti, nous avons versé ça déjà? Est-ce que nous avons versé ça déjà aller à faire service offrande? Mais ça la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est pour chaque monde bail, Jean yote décidé dans quel. Comment? Non. C'est pour chaque monde te bail Jean yo te décidé dans cœur. Moi me poser nous question pour nous répondre moi. Comment la Bible dit pour bail là? Jean yo te décidé dans cœur. Sans yo pas regrette rien. Sans qui ça? Sans yo pas premièrement regrette rien. Sou fait service offrande ça, ou gon même un petit crasse regret dans cœur. Amen. Deuxième condition posée, sans moun, pas besoin de forcer yo. Sou on passe à force ou faire service offrande, non, pas vrai. Il va être là. Ouais, soit, ou va être. Moi, haïtien, moi, je suis tout bas. Et vie enseignement lié. Retirer enseignement ça dans la vie. Kembe verse ça dans la. Ba di nou biga nou fè service offrande. Mais la Bible dit nous, mais comment pour nous faire? C'est pour chaque moun bay Jean yo te décidé dans cœur yo sans yo pas regretter rien, sans moun pas forcer yo ki moun gade moun ki fè service offrande non parce que on est bon côté yo bay. Et bien c'est bay yo bay tout. Gade moun ki si tellement bay yo bay pour tout moun capable. Ba offrande pa mnan. Pour tout le monde capable. Hein? Oui. En bonne? Non. Les services arrivés pour le fait, la passe devant nous. Nous ne pouvons pas venir devant pour tout le monde entier. Ouais. Parce que la Bible dit. Vous avez la main gauche là? Avec main droite là? So, première partie a dit sans yon pas forcer nous. Pas un monde qui a forcé nous acheter bon Dieu.
Et que des monde qui pensait c'est acheter acheter bon Dieu tout que couille au fin met petit dégoûté en là. Bon Dieu me demande pour petite moi pas malade encore. Et ben elle pas malade encore. Pas bleu petit monde malade encore non. Que en pile là nous a passé bon Dieu Lord. Nous passer bon Dieu Lord même dans prière nous. Bon prière sont l'autre bagarre encore pour me parler avec nous. Nous pas comment on a prié. Ouais religion de yo a capé de faire déclaration. Moi déclarer. Malédiction yo lagé sous cœur. Moi déclarer. Si nous gain esprit déclaration ça dans nous-mêmes retirer. Parce que c'est l'autre n'a passé bon Dieu pendant que nous-mêmes nous te doué en bas devant mon Dieu. Nous te de couber nous devant mon Dieu. Et qu'on y en a passé l'autre. Nous déclarer que moun sa maladie la voulé. Nous déclarer. Non, on prie bon Dieu, on demande bon Dieu pour guérir maladie. Tout esprit déclaration, il est pas biblique premièrement, il est pas biblique. Tout monde qui a fait déclaration, il pas qu'à expliquer au côté où est ça dans la Bible là. Deuxièmement, c'est moquer bon Dieu. Gozo mi vinn là me dit moquer bon Dieu. Dis-moi même, comment tu as fait moquer bon Dieu? Non, bien, vous faites ça moquer bon Dieu, dans sordi. On dit me connait t'a blaguer quand même. Nous toutes là te connait t'a blaguer quand même, right? Nous va connait t'a blaguer mes amis. Là nous fin laguer puis gars nous dit me connait t'a blaguer. Son esprit malédiction nous maintenant nous-mêmes qui fait nous dit nous connaît ça t'a privé. Non, dis mon Dieu merci d'est-ce qu'il laguer nous. C'est ça fait nous te connait t'a blaguer, me connait. On nous connait nous tout faire rêve tout. Bon, ça sont l'autre enseignement qui m'ta fait avec nous si nous t'a là. Mais qu'on est à pour le finir. Bon Dieu, qui ça? Bon Dieu remet monde qui baille comment? Si n'a participé dans service offrande ça, quelque chose de baille 1 centime, quelque chose de baille 10 millions de dollars. Nous fait lui comment? Avec cœur content. Et si nous pas qu'à faire avec cœur content, puis gars nous faire. Que bon Dieu bénisse chaque grain dans nous dans enseignement ça. Amen. Hallelujah, glory to God. Father God, we thank you for this offering you have given us. We ask you in the name of Jesus to bless this offering. So we will continue to use it for your service, Father God. Say you're not to merci, Father God.
Nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Seguimos dándote las gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Como dijo el pastor hace un momento, nosotros no podemos comprar a Dios con nada. No podemos comprarlo con dinero, no tenemos nada para comprar a Dios. Así que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Porque Él es Dios, Él es nuestro creador, es el que nos da la vida. No hay nada que nosotros le podamos dar para comprarlo. Si usted está agradecido con Dios, adore a Dios. Y si no está agradecido con Dios, adore a Dios, porque Él sigue siendo Dios. Amén. Así que vamos a decirle a nuestro Dios, nuestra única razón. De vivir es para adorarle al Todopoderoso. Esta alabanza se titula Todopoderoso. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Única razón de mi adoración, único motivo para vivir. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo. Y no hay nadie como tú, eres todo. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres digno, Señor, que te adore, Padre. Te adoramos por lo grande que tú eres. Eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso, eres fuerte. Cántele fuerte. Eres todo poderoso. Eres todo poderoso, eres fuerte, como tú, eres todo, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No lo hay, Señor. Solamente tú eres grande. Solamente tú eres Dios, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. A ti te adoramos, Señor. Recibe la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Aleluya. Vamos a continuar. Gloria a Dios. Aleluya, merci Seigneur. Amen. Abdou, merci Seigneur.
parce que vous êtes fidèle, mon Dieu. Oui, ou réel. Alléluia, merci Seigneur. Awesome in power, our God, our God. Merci, bon Dieu. Oui, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Glory to the Father, glory to the Son, glory to the Holy Spirit. Avec vous, t'es fait, ouais, ouais. Dieu pigant, pour charger pouvoir, puissance soupir, mon passé tout l'autre jour. Pour ces pigots docteurs, fidèle et parfait, bon Dieu, bon Dieu. Bon Dieu pigant, pour charger pouvoir, puissance soupir, mon passé tout l'autre jour. Pour ces pigots docteurs, fidèle et parfait, bon Dieu, bon Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Pas gain condamnation pour mon cap servi, bon Dieu. Dieu. Oh, si bon Dieu, Dieu pas gain personne qui est capable de tout. Alléluia, nous bavons gloire, bon Dieu. Nous bavons honneur, nous rangeons comme seul mérité. Alléluia, merci Seigneur. Depuis bon Dieu est avec nous, qui est capable de tout. Depuis bon Dieu est avec nous, personne ne peut nous. Depuis bon Dieu est avec nous, qui est capable de tout. Our God is healer.
Awesome in power, our God, our God. Amen. Amen. Merci, merci Seigneur. Merci bon Dieu. Merci Dieu, trois fois saint. Alléluia. 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 Oui, mène-nous, bon sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, Jésus, pas
la tentation. Moi, fais-moi plus que vainqueur. Jésus, pas quitté, mais si sous tes appelés à douleur, sans ou non point l'autre ami. Fais-moi sortir la tentation. Moi, fais-moi plus que vainqueur. Où t'es levé mon labou depuis profond méchanceté. Moi, fais-moi arriver dans le ciel tout. C'est la gloire où m'a chanté, Jésus, crié, pas quitter mon bon sauveur. Fais-moi sortir dans la tentation. Fais-moi plus que vainqueur. Alléluia. Jésus, pas quitter nous ici. Sous tes sacs, chargé avec douleur. Chargé avec malheur. Chargé avec malédiction sous tes sacs. T'en prie, Seigneur, fais-nous sortir dans la tentation. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Not a warrior, I'm too afraid to lose. I feel unqualified for what you call me to do. The Lord with your strength, I've got no excuse. These broken people are exactly. Give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. You took a shepherd boy and made him a king. So I'm gonna trust you and give you everything. I'll be a conqueror, 'cause you will fight for me. I'll be a champion, claiming your victory. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense, so I can face my giants with confidence. I'm gonna sing and shout and shake the wall. I won't stop until I see him fall. Gonna stand up, step out when you call. Jesus, Jesus. I'm gonna sing and shout and shake the walls. Won't stop until I see him fall. Gonna stand up, step out when you call. Jesus, give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. Hey, give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord, be my defense. So I can face my giants with confidence. I'll face my
Amen. You may be seated. Ukashita. So there are three men in the Old Testament that the Bible talks about that we see in this song. That we praise the Lord that we know we can be like a David. And in, if we like David, the man that the Bible says that everything that he does, he did, he tried to reach the heart of God. Now we're asking God to give us the heart like David. And God will defend you in any situation in your life. We talk about Moses. We know the circumstances that Moses went through in the wilderness, especially with the people. And I can ask God for the same thing today. For God to give me the hope. God gives me the patience to deal with the people that he put in my path today. And Daniel. We know the story about Daniel. We know what Daniel went through. Nebuchadnezzar couldn't get the last word over Daniel's life. But God has the last word in Daniel's life. The lions couldn't have the last word in David, in Daniel's life. But God did. Ask God to have the last word in your life today. He is the one that holds the last word. He is the judge of your life. And no one else. Dans chaque texte que vous chantez là, il fait référence à trois giants qui étaient gagnés dans l'Ancien Testament. Trois gros nègres qui étaient gagnés dans l'Ancien Testament. Les nègres, ça n'y a pas de gros nègres parce qu'ils étaient vrais gros nègres. Mais ils étaient gros nègres parce que bon Dieu t'a fait un gros nègre. Ok, premier nègre chanté à parler, c'était Daniel. Nous connaissons l'histoire Daniel là. Nous connaissons ce qui passe Daniel dans la force au lion. Côté que, avec bon Dieu, lion n'a pas de victoire sur Daniel. Avec bon Dieu, Nebuchadnezzar n'a pas de victoire sur Daniel. Mais bon Dieu te baille Daniel force avec courage sous circonstance la vie. Dans la circonstance où il est dans la vie, ça a connu. Bon Dieu, c'est dernier. C'est lui-même qui a le dernier mot. Et pas déclarer, m'a déclaré, non, mais m'a dit, non. Si nous mettons bon Dieu et nous battons le dernier mot, en pile, monde pense bon Dieu, c'est lui-même qui commence, mais bon Dieu, c'est lui-même qui finit tout. Bon Dieu, comment se travaille ça avec nous, Kounia, là, par la gueule. C'est lui-même qui a fini la bataille. La Bible dit bon Dieu, son bon Dieu qui. Fidèle, les mêmes qui commencent à faire travail ça dans nous-mêmes là, la fini travail là. Et c'est nous quitter lui et nous quitter lui. Daniel, bon Dieu t'es commencé avec Daniel dans le commencement et bon Dieu finit avec Daniel dans le finissement. Bon Dieu t'es gagné première parole là et bon Dieu t'es gagné dernière parole là. Des monde qui a venir dans la vous qui a gagné petite parole. Mais bon Dieu gagné première parole là. Bon Dieu gagne dernière parole là. Et deuxième frère que nous avons chanté à parler de lui même c'est Moïse. Nous quand ça arrivé Moïse dans le désert. Nous songez comment mon yo t'a bailler Moïse problème dans le désert. Si tellement mon yo t'a bailler Moïse problème dans le désert parce que Moïse sont humain, Moïse rivé non point côté que a questionner bon Dieu. Et chaque temps regarder histoire chaque au moins une fois par semaine moi aller dans la Bible pour moi aller regarder comment plan bon Dieu était dans la vie Moïse consulter histoire ça c'est les m'en a fait avec nous qui passait là si pas mandé bon Dieu même bagaille espoir ça que bon Dieu te bail Moïse dans désert hein m'a perdu espoir. Moi-même, j'ai perdu tête, moi tout.
Moïse perdit patience, mais il a gagné espoir. Qui espoir était? Nous sommes espoir. Il est dans le désert dans l'Égypte, mais qui côté le besoin aller? La terre. La terre. Exactement. Si vous avez espoir ça dans la vie, ou, que bon Dieu a pris fidèle avec vous, et bon Dieu te lagué en peuple Israël, là dans l'Égypte, il était juste quitté là englouti. Même le peuple n'a pas de bon. Peuple Israël était bon. Peuple Israël dit, moi j'ai maintenant, il a servi toute loi que tu as gagné. Et bon Dieu était fidèle avec eux. Même le Moïse pas de fait, Josué vient de faire. Josué vient d'entrer dans qui côté? La terre promise avec qui est-ce? Avec peuple rebelle. Et c'est ça, vous m'a demandé bon Dieu. Et dernier, c'est David. Nous connaissons l'histoire de David là. En gros, il y a un peu de monde qui dit vérité, qui dit David, tue moun. Et moun qui dit David fait adultère. Et puis, gros histoire dans la vie de David, ce n'est pas tuer le tuer Goliath, non? Puis, gros histoire dans la vie de David, c'est que il était vle cœur li, qui côté? Tout près cœur, bon Dieu. Nous va qu'on histoire yo. Cœur David, dans tout ça le fait. Et même les rois, Nathan te approché li. Avec problème ni yo. David vin prend. Et ça fait David gagner pile somme. Pas le courir sous somme 51, nous pas qu'on histoire somme 51 ça. Pas utiliser dans la vie, nous. Une série de sommes, n'a pas de utiliser. Faites attention. En pile là, nous avons utilisé somme pour nous faire expédition des mondes. Et somme ça, nous avons tourné encore nous. Faites attention. Ouais, pour nous utiliser somme, expédition des mondes. Faut que nous même nous partageons aucun sac pas ça. Pour nous utiliser somme voyer derrière monde, faut que nous même nous partageons rien qui pas cochu. N'a pas jamais non bagage pas cochu. Et ça fait nous pas doué à utiliser somme pour nous voyer derrière monde. Pas faire expédition avec Somio. Mais utiliser Somio pour nous adorer bon Dieu. Quoi, frère Hosset a dit nous d'aller là. Si nous besoin acheter bon Dieu vrai, adorer-le. Si nous besoin un cœur bon Dieu tout bon vrai, adorer-le. Si nous besoin dans même camp avec bon Dieu, adorer-le. So, toi, homme saio que moi t'ai voulu partager avec nous. Moi va partager la parole de Dieu avec nous bien vite. Non, ouvert Bible nous dans livre Actes des Apôtres là, dans 12e chapitre là, sorti dans verset 1 pour arriver dans verset 5. Ouvert Bible nous. Si c'est menti m'a ba nous. Comment on a fait qu'on est? Ouvert Bible nous. Nous on pas gain Bible. Nous on pas gain accès. OK, bon pas dit nous ouvert. Ouvert Bible nous sur téléphone nous. Gen leader religieux en Haïti kap di nou pi ga nou gen Bible sou téléphone nou. Ça nous dit non ça. Nous va dwe gen Bible sou téléphone nou. Nous dwe gen Bible nou quel que soit côté lié pour nous accéder à Bible nou. Et kounya là nous même nous dwe consulter Bible nou comme moi toujours dit nous pour nous garder ça la parole de Dieu dit. OK? Manque de connaissance de la parole de Dieu a fait nous échouer. Quand il y a l'ambral, n'a continué l'église ça, nous-mêmes nous pas prêcher selon ça nous voulons prêcher. Nous dit n'a suivre Bible depuis octobre 2017. N'a suivre Bible verset par verset, chapitre par chapitre, livre par livre. Et je dis à là nous là. Nous n'en versons ça. Ce n'est pas choisi pour me partager là avec nous. Mais c'est lui qui vient aujourd'hui.
Et dans verset ça nous pral wè nous-mêmes nous devons penser à nous devons penser plus gros que nous penser petit. Nous devons commencer à retirer penser prospérité à bagay matériel yo dans la vie nous. On nous a quitté dans la vie nous mais pas mettre dans plan bon Dieu. Même j'en sais des faux prophètes en Haïti, c'est ça a fait seulement. Nous mettez souci yo, ça n'a prier pour nous jeune visa. Et que nous venons visa nous fin comme si son bon Dieu visa seulement lié. Nous prions bon Dieu chaque jour dans la vie nous pour la vie nous bien. Et voilà que mais qui côté nous aujourd'hui là. Qui ça titre là dit en créole là qui est en jaune là pour monde qui connaît lire en créole yo, ça titre là dit. Oh, ça va c'est Abdi là. Gebay ça dans la Bible. On va parler de Haïti. On a Haïti là pasteur. On veut parler moins de comment pour la vie on gon bon vie sous terre ça. Qui va Haïti ou Abdi là? Qui est Jacques avec piété? Donc on qui est Jacques? Mais c'est nous-mêmes qui dit chrétien. On nous répond non. Qui est Jacques avec piété? Disciple Jésus qui t'a marché avec qui est? Et pas non. Et pas spirituellement non. Mais physiquement marché avec elle. Et c'est yo tué là. En pile là nous dit oh man. Madame marché avec Jésus-Christ ça. Et ça veut dire. Ça veut dire que nous-mêmes, la Bible dit nous ça m'a fait nous songer encore. Nous pas un royaume non, nous-mêmes qui chrétien. Nous-mêmes qui rele tête nous chrétien, qui a vivre quoi chrétien. Nous pas un royaume sous terre ça. Toute bataille qu'on a fait c'est pour nous capable aller qui côté dans le ciel. Même pas dit nous, la Bible pas dit nous pour nous vivre pauvres sous terre ça non plus. So yo touye Jacques, yo arrêté Pierre, en regardez. Non même laisse ça, qui laisse ça, il t'a parlé de une grosse famine dans chapitre 11 là qui t'est gagné dans tout territoire Jérusalem là. Non même laisse ça tout. Wa Herod te commencé persécuter quelques membres dans l'église là. Bon Dieu nous vienne devant. Ban nous cœur qui te nous recevoir cœur. Ban nous parole qui te nous recevoir parole. Ban nous intelligence qui te nous recevoir intelligence. Et nous prions au nom de Jésus-Christ qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Même les ça, nous expliquer quelques membres de l'église. Pour qui ça, c'est pas tout membre de l'église là, qui t'a persécuté. Parce que, il y a dans l'église, il y a des gens qui veulent marcher droite, qui a prêché ça ou doit prêcher, il y a l'autre qui derrière l'argent. Après ça, ok, c'est quelqu'un qui t'a persécuté. Quoi en Haïti là, il va persécuter l'église, oui. Parce que tout nèg, c'est menti à bas et tout le monde derrière l'argent, tout le monde a montré nous comment pour nous faire l'argent, nous fait foube. Mais n'a pas utilisé non bon Dieu avec ça. On est capable montrer nous comment pour une série de petits monde, une série de grands monde, une série de monde qui a vinn ces jours-ci, il y a vinn avec un prêche qui que yo connaît nous remet, il y a parlé de prêche ça tout le temps, il y a parlé de nous-mêmes, comment la vie nous t'a doué bien au lieu que on parler de bon Dieu que nous t'a doué adorer. OK? So en pile chanter me tenir n'a chanter qu'a parler de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous pas important. Nous important dans Dieu, bon Dieu. Mais après ça, nous pas important. Pourquoi ça, toute bagaille, c'est de nous-mêmes. C'est de nous-mêmes, c'est de nous-mêmes. Nous devons parler de bon Dieu. Dans toute chanté, dans toute vie. Nous. So, quelques monde, ça qui a parlé de Jésus-Christ, ils ont persécuté. Ça qui a parlé de tête par eux, ils ont quitté un repos. Li, qui li? Li passe l'ordre pour yo couper tête qui est Jacques, frère Jean, avec épée. Li, c'est, yo parle de Herod, ou konne Herod ça, c'est un nom qui est très populaire dans l'Égypte, qui fait un pile bagay. C'est un grand papa monsieur qui te vle tuer tout premier néo, bien, qui pas vle tuer non, qui te vle tuer Jésus-Christ, mais qui te tuer tout premier néo. Nous songez? Timoun, moins que des ans yo. C'est même Herod ça qui te voulu qui te fait Jésus-Christ et pas même Herod là non même famille Herod ça qui te fait Jésus-Christ ça Jésus-Christ
t'es passé sous terre ça et qu'on y a là c'est Ewod ça même famille qui vient faire ça petit grand Ewod là neveu Ewod qui était alder Jésus-Christ. Li passé l'autre pour tuer Jacques avec épée et il était tué Jacques, il était coupé tête Jacques qui était serviteur bon Dieu. Qu'on y a là nous mêmes yo ban nous l'évangile en Haïti côté que toute bagarre doit bien passer. Yo ban nous l'évangile côté que nous pas de gain problème. Yo ban nous l'évangile côté que nous pas de gain aucune persécution dans la vie nous. Mais c'est pas nous l'évangile qui biblique. Ouais, dans tout problème que nous gagnons dans la vie nous, il y a un seul bagage qui garantit pendant la vivre sous terre ça. Un seul bagage que nous devons demander bon Dieu pendant la vivre sous terre ça. Il y a un seul bagage qui important pendant la vivre sous terre ça. C'est la la paix. C'est la paix nous besoin dans la vie nous, quelle que soit circonstance, situation qui gagne. Nous besoin la paix. Nous devons être riches, nous avons tout quoi sur la terre si nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas la paix. Nous devons être pauvres, mais si nous avons la paix, nous gagnons tout bien. Pendant nous sous terre ça, m'a parlé de sous terre ça. Qu'on y a même gagné une destination. Gagné une destination que nous même nous connaît qui gagne deux portes. Gagné une qui allait dans l'an, gon l'autre destination qui allait. Qu'on y a pendant nous souter ça, nous doué à bataille si nous intelligents pour nous aller dans paradis. Et deux bagages nous besoin. Sous terre nous besoin là la paix. Et c'est qui est seulement qui cabaille la paix? Et c'est Jésus qui cabaille la paix. Médicament n'a pas de bruit ou pas de banon la paix. Docteur n'a pas de alouer ou thérapie ou pas de banon la paix. Aller dans tout amusement park, aller dans tout en salle cinéma, aller dans tout côté à prendre plaisir, ça pas bannou la paix. Chercher l'argent, pas bannou la paix. C'est Jésus qui cap bannou la paix. Les Ewod wè juif yo te prend plaisir dans salle te faire, li arrêté Pierre, il fin tuer Jacques Kounia. À tout peuple là content d'est-ce que tuer Jacques Kounia ça le fait, il continue à persécuter chrétien yo. Kounia, il mettait mais sous Pierre, mettait Pierre en prison. Sans parler là, parce que dans la Bible, on va y ça. Oui, dans la Bible. La Bible qui a arrêté disciples Jésus-Christ. Ça t'est passé dans l'époque fête pain sans lait de vin. Aïe, anniversaire, ça. Jésus-Christ est fait mourir, le Jésus-Christ mourit, il est ressuscité, avant de monter, il dit allez à travers le monde, fait qui ça? Prêcher, ah nous tout grand nous tout abaye, entravé. Jésus-Christ dit aller à travers le monde prêcher la bonne nouvelle. À travers le monde à tout le monde. Et c'est ça, c'est notre travail ça, yo te recevoir persécution ça. Pierre Kounia en prison après yo fin tuer Jacques. Jacques c'est un premier disciple que Jésus-Christ a al racheté. Côté yoté, ça va être fait, les Jésus-Christ est racheté. Qui soit la Bible nous de disciples, comment Jésus-Christ est choisi disciples? Yoté, 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 le diplôme. Yoté, 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 un paquet de monde dans l'église. Comment Jésus-Christ est choisi disciples? Non, ça se m'a parlé qu'on y a là. Jacques, Jean avec Pierre. Comment vous avez hein? Non, péché, poisson, il dit qu'on y a ça le faire. Non, tout est péché, poisson. Jacques, Jean-Pierre, tout tes pêcheurs poisson. Et senti poisson senti bon, right? So bon Dieu prend au côté où tu es servi avec vous. Pas au côté où il est dans la voie que bon Dieu pas qu'à servir avec vous. Mais il faut que vous connaissiez qui sont choisis, qui sont besoin. Il faut que vous connaissiez les persécutions dans le travail qu'on fait pour Jésus. Léo fin arrêté Pierre. Ou bien les Ewod avec mon yo fin arrêté Pierre, li fait mette Pierre dans prison. Ewod fait mette Pierre dans prison. Li mette 4 escouades. Chaque escouade yo gagne 4 soldats là-dedans. Et comme si Pierre là gagne 16 moun.
cap surveillé et au dou gen deux garçons dans chaque partie dans corps qui enchaîné avec lui gardion enchaîné avec Pierre parce que pour qui ça faire ça parce que Pierre t'a fait qui ça prêcher l'évangile qui est et pas l'évangile bon $100 m'a ou jeune $1,000 c'est pas l'évangile déclaration non prêcher l'évangile que dans Jésus-Christ seulement c'est Jésus-Christ seulement qui bail la vie qui pas jamais finir prêcher l'évangile côté qu'elle dit Jésus-Christ mouri li ressuscité c'est l'évangile ça t'a prêché c'est pas l'évangile fab n'a pas tendé ces jours-ci à nous l'évangile nous sommes passés pour la bataille pour moi non nous sommes passés pour faire concurrence avec l'autre pasteur c'est pas l'évangile ça disciple t'a prêché. Et c'est pas l'évangile ça qui fait yo mettre Pierre en prison avec 16 moun k'ap gade li yo. Ça fait 16 soldats en tout pour veiller Pierre dans prison. Hérode te fait plan pour mener Pierre vin juger devant peuple là après fête Pâques juif yo. Pierre était en prison, c'est vrai. Mais l'église là pas suspend prier bon Dieu pour lui. L'église a pat pour lui pendant Pierre était qui côté d'après nous même ça l'église a prié bon Dieu parce que ouais moun qui dans prison kounye là gagne là dedans qui que yo pral déporté et gagne là dedans qui a plagué. So nous pas qu'à prier pour Dieu pour la guerre. Et pas ça qui prier là. Qui ça prier et pas libération non prière. Ça prière pour mon yo candan. Pour bon Dieu protéger, pour bon Dieu faire yo vivre en paix. Pour bon Dieu faire mon yo vivre en paix pour pas perdre tête yo candan. Wèl m'di nou gen moun yo lage yo libéré ki pèdi tèt yo. E gen moun ki yo ki a voye tout nan Haïti. Normalement tout moun yo voye tout nan Haïti a pèdi tèt yo. Mais nous même nous ka prier pour kèk la dan yo ki kembe ferme. Pour yo pa wè les États-Unis comme dernier espoir yo nan la vie ça. Pour yo capable continuer vivre là. Parce que gon l'autre baga encore nous même dans enseignement nous yo dit nous toute bagaille depuis nous prier bon Dieu a fait. Mais gon bagaille qui gagne dans la vie ça pour nous capable comprendre tout. C'est pas toute bagaille que bon Dieu fait Jean nous voulait le faire là. C'est pas toute bagaille que bon Dieu fait Jean nous voulait li faire là. Gien des bagaille en toute bagaille qui fait c'est ça dépend ça tomber dans plan bon Dieu par Jean Noël là. Et que plan bon Dieu lui-même est capable manifester dans la vie nous que nous comprenons pour qui ça nous souter ça après nous finir de en prêche ça que nous capable demander bon Dieu chaque jour quel que soit circonstance nous dans la vie quel que soit nous gagner 5 ou bien quel que soit nous gagner $50 million pour nous demander bon Dieu pour bon Dieu faire nous vivre en paix. Et pour demander bon Dieu, pour bon Dieu faire nous préparer pour nous aller dans le paradis. Que bon Dieu bénisse chaque grain dans nous. Today I share with you this word of God in the book of Acts, the 12th chapter from verse 1 through verse 5. I encourage you to open your Bibles and to refer to those verses so that you can be instructed, you can receive the word with me. In the book of Acts, the 12th chapter in verse 1, it says, the Bible says, about that time, King Herod Agrippa began to persecute some believers in the church. Oh God Almighty, we come before you. We ask that we receive your glory, your grace, your instructions. We ask that we receive your wisdom and that we receive you as the King of our lives, the Lord of our life. And we pray you in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Today we talk about the persecution of the church, and in these verses we're going to see how the Bible explains the death and the imprisonment of Peter, the death of James, and the imprisonment of Peter. Those two are disciples, were disciples of the Lord. James and Peter, they walked with Jesus Christ. They were with him. Actually, they were among the first to be selected by Jesus Christ. James, John, Matthew, Peter, they were all nowhere doing nothing for good. They're probably doing something good for themselves, for the world. They were fishermen, and the Lord Jesus Christ went and get them and said, now you're going to be fisher of men. You're no longer going to be fishermen. You're going to be fisher of men. You're going to be fishing for men. Meaning, bring the gospel to the lost. Bring it to them. Now, the Bible in verse 1 talks about that time. Which time? The time that we go before in chapter 11 to find out that time. In chapter 11, the Bible talks about a great famine, great problem that took place in the whole Jerusalem area. And the Bible says, during that time, when the people are already in problem, this is the time the religious leaders chose and the political leaders chose to persecute some believers. Why does it say some believers? It doesn't say all believers. Because not all believers proclaiming the gospel of the Lord Jesus Christ. Some of them proclaiming their own gospel, even though they're in the church, even though they believe in Jesus Christ. But the rest of them proclaiming the true gospel of Jesus Christ. And these are the ones getting persecuted. I exhorted you, and the Bible exhorted you. But since I'm here in the United States with you, I exhorted you back then that persecution will come to the United States against believers, against the ones proclaiming the gospel. So what we call Christian persecution. These days, we don't have Christian persecution in the United States. When people take you to court, it's not Christian persecution. It's just persecution. When people jail you, it's not these days in the United States. It's not about Christian persecution. When Christian persecution comes to the United States, which it will come, you cannot even wear a shirt that say you pastor. You cannot even say anything like that. You cannot even have a logo that say church. You're going to jail, or you're probably gonna be beheaded. And everybody look at me like I'm funny. And it's gonna come a time like that. The Bible prophesied about the time where things gonna become so crazy that you will, just like the first disciples, you will not be able to say anything about Jesus Christ. Especially the time when the Antichrist gonna be coming. We are in the preparation phase of the Antichrist. So Herod Agrippa gave orders to persecute some members of the church. Herod had the apostle James, the half-brother of John's brother, I meant to say, beheaded. They killed him. So this is, now we learn how James died by beheading. All the apostles, they receive harsh punishment. 11 of them martyred somewhere. The Bible will tell you. Except for John,
who were not martyred or murdered, but he was put to death somewhere in a desert, in an exile. When Herod saw how much displeased the Jewish people, he also arrested Peter. And the people, they were happy. Oh, James, this guy talking about Jesus Christ, let's kill him, they kill him. The people, they were happy. And now, to please the people more and more and more, what he did, he arrested Peter. Peter was another disciple of the Lord Jesus Christ, proclaiming the glory of Jesus Christ, especially after Jesus Christ ascended. A lot of people, they were saying that this guy didn't die for good. He wasn't resurrected. But Peter and the other disciples, they were the ones continuing to say, no, he resurrected. He resurrected. Go to this slide. So, to please the people, he arrested Peter. And the people, they were happy because they didn't want to listen to what they were saying about Jesus Christ. So, if they were talking about Jesus Christ, it's like a green light for them to receive persecution. It was a green light for them to be killed, green light for them to be put in prison, in jail, green light for them, for political leaders at that time, they get more prominence. Today, I see a lot of people, they run after clicks, after likes. They will say anything over the internet for them to receive likes, even though they try to preach. If they were here today, if this is the same situation today, likes, clicks, prominence over social media will cause people to do anything to get there. Sadly, if somebody on social media talking bad about Christians, they will receive a lot of likes, a lot of prominence. They will be loved by the world. Then Herod imprisoned Peter, placing Peter under the guard of four squads of four soldiers each. Herod intended to bring Peter out for public trial after Passover. Here, Peter is surrounded by 16 people, guarding him day and night. They say that about eight soldiers were chained to Peter. Why? Because he was preaching the gospel. Why? Because they didn't want him to go out and then they want him to escape. Because if Peter escaped, what is Peter going to be doing? He's going to go preach the gospel more and more and more. And these people, they didn't want him to go preach the gospel. Today, I'm talking about in the end time. When people are gonna be preaching, that's not. C'est pas moment qu'on y a pour faire propre frère. Vinchita. C'est esprit diabolique là dans tête tout qui faut pas cachita pour garder sa ca fête ou plus ça fait l'autre bagaille. Pendant service, ça va avoir l'autre bagaille qui est plus important que le service qu'a fait là. N'est pas de vieille idée qui fait. Nous mettons sorti parti, mais pas interrompre aucune bagaille qu'a fait là. Pas de bagaille ou pas l'expliquer pour m'accepter pendant service la fait. Dans la tête, pas capable qu'on ait fait un bon bagaille.
Même Dieu, c'est pour un beau bagage. Nous tous avons un esprit diabolique dans la tête. Si nous avons peinté un service, grand monde a peinté un service, discipline, c'est pas ça qui a fait nous aller dans l'enfer. Nous n'avons pas de discipline. Si nous n'avons pas de discipline pour nous gérer la vie nous normalement, qui discipline nous gagner pour nous marcher dans la route ça que Jésus-Christ dit pour nous marcher? Il dit nous pour nous marcher dans la route étroite. Il dit nous pour nous prendre quoi nous pour nous porter quoi nous. Qui discipline que nous gagnons? Nous mettons les têtes nos chrétiens, j'en oublie. Manque de discipline que nous gagnons, premièrement, a fait nous parer ici dans la vie ça et a fait nous perdre dans l'autre vie. May the Lord bless every single one of you. Nous bénissons bon Dieu et nous exaltons pour prêcher la culte voyée pour nous-mêmes. Et nous demandons bon Dieu que la parole soit capable de rester dans la vie nous et transformer la vie nous pour toujours. Alléluia. Moment ça, c'est moment appel lié. Si que tu voulez pour nous prier pour vous, capable faire ça, prêcher ça. Si vous pouvez accepter Jésus comme sauveur personnel, c'est moment pour capable faire ça. I've been changed. You freed. Delivered, I found joy, peace, grace, and favor. I've been changed, healed, free. Delivered, I found joy, peace, grace, and favor. And right now is the moment. Today is the day I've been changed. I have waited for this moment to come, and I won't let it pass me by. I won't go back, I can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me, I won't go back, I can't go back to the way it used to be. Before your presence came and changed me, all my shame, guilt, my sin. Sins, they're forgiven. Forgiven. No more chains. Fear. My past. It's all over. It's over. And right now is the moment. Today. I've been changed. I have waited for this moment to come, and I won't let it pass me by. I won't go
back. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back, I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back, I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back, I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. Jean la vie déjà avant présence souvient changer moi. Non moi pas. Moi pas tourné, pas chambre tourné. Jean la vie déjà avant présence souvient changer moi. Pap tourne, pap chan tourne, Jean la vie déjà, avant que la vie change moi. Never going back, never going back, never going back to the way. Before your presence came and changed me. No, I won't go back, I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. Merci, bon Dieu. Toute gloire, c'est pour bon Dieu. Non, nous ne pouvons pas tourner. Nous ne pouvons pas tourner. Seigneur, bon Dieu, nous bénissons. Nous bénissons gloire et honneur que vous-même seul méritez. Merci pour grâce, bon Dieu. Merci pour amour. Merci pour compassion. Merci pour miséricorde, Seigneur. Merci pour le moment ça que tu ban nous. Que nous t'es capable de passer moment ça avec vous. Un moment qui si précieux, un moment d'amour, Seigneur. C'est au même seulement qui t'es capable de faire ça pour nous, Seigneur. Merci pour chagrin monde, bon Dieu, que tu te permets t'es capable là je dis. Pour t'étendre des paroles, au Seigneur. Côté que nous t'es dans pied, au bon Dieu. Nous t'as bas ou gloire, honneur que ou même seul mérité. N'a mando, bon Dieu. Pas quitter paroles, Seigneur, que nous soutendez. Rentrez dans nos oreilles pour soutenir dans l'autre là. Mais paroles, Seigneur, bon Dieu, capable de transformer la vie, nous. Que paroles, Seigneur, capable de percer nos Seigneurs. Que nous capable de marcher selon paroles, chaque jour dans la vie, nous, Seigneur, Dieu, papa. Pas quitter nous, glisser dans la route. Pas quitter nous, faire mauvais pas. Mais mettre Saint-Esprit dans nous-mêmes. Que nous capables de continuer à être fermes dans la route. Ça, pour nous capables de joindre la parole et partager le bon Dieu. Et publier le partout sous la terre, Seigneur. Dans le moment ça, bon Dieu,
N'apremeto Lorenzo Seger et n'apremeto Jonathan. Bon Dieu d'amour, ou même papa qui capable ouvrir que ou même qui capable mener mon à la repentance. N'a mandé au Seigneur salut pour mon ça deux jeunes garçons ça et madame ni Seger. Tant pri bon Dieu, allez frapper porte caillou dans moment ça. Que vous capable ouvrir cœur au bon Dieu et vous capable accepter dans le nom de Jésus. Et n'a promettre au bon Dieu que dit Seigneur qui parle faire opération Seigneur Dieu. Et n'a demandé au bon Dieu papa que c'est vous même qui va faire opération ça Seigneur pendant que docteur sous lui même bon Dieu d'amour que vous capable faire sortir bon Dieu avec victoire Seigneur Dieu. Nous remettons tout reste après-midi en bon Dieu. N'a demandé au que vous capable prendre contrôle Seigneur Dieu papa. Blendez-nous bon Dieu et conduis-nous et mettez-nous dans chemin qui pas gain mauvais pas Seigneur. Nous remettons tout nous-mêmes. Tant pris Seigneur, nous remettons tout. Si nous prions, c'est pas parce que nous bon, ni c'est pas parce que nous dignes. C'est dans nom Jésus, pitié de nous prier. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Now let us receive benediction. N'a recevoir bénédiction pour la gloire de Dieu. Si ou chita ou capable camper pour la gloire de Dieu. Now all glory to God who is able to keep us from falling away and will bring us with great joy into his glorious presence without a single fault. All glory to him who alone is God, our Savior through Jesus Christ our Lord. All glory, majesty, power and authority are his before all time, in the present and beyond all time. Amen. Kounye a tout l'orange, tout grandeur, tout pouvoir, ak tout autorité, pour un seul bon Dieu. Pour bon Dieu qui kaken benon pour nous pas tomber. Li même qui capable faire nous paraître sans reproche, ak kè content devant, dans tout bel pouvoir li. Li même seul bon Dieu qui délivre nous. Grand merci Jésus-Christ, Seigneur nous. Oui, c'est pour lui toute l'orange, toute grandeur, tout pouvoir, ak tout autorité, depuis nan temps, longtemps. Kounye ak pour tout temps. Allez en paix, que bon Dieu cache ou, que la paix bon Dieu capable rete avec vous et bonne semaine avec Jésus. Amen. La vie, la lumière du monde, cette lumière.